Je capte. Quelle étrange mélodie. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais réentendu cette mélodie. Maman, rentre à la maison. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir accompagnée. Je t'apporterai à manger tout à l'heure, d'accord ? Maman, t'es rentrée tôt aujourd'hui. Oh, je suis bête. J'avais pas éteint. Je suis de retour, papa. Oh, par où t'es entrée, toi ? Mélodie était vraiment très étrange. Peut-être qu'un jour je l'entendrai à nouveau. Bonne nuit, Mimi. C'est alors une lumière. Peut-être que j'ai rêvé. Suivante, Mademoiselle Yasakiyu. Continue comme ça. Merci. Ensuite, Mademoiselle Asuna Watase. Oui, madame. Encore une fois, c'est Asuna qui a la meilleure note de la classe. Encore Asuna ? Très bon travail, Asuna. Ça parce qu'elle est déléguée. Moi, je vous le dis, c'est une intello, cette fille. Et pour terminer, je dois tous vous mettre en garde. Dernièrement, plusieurs élèves nous ont dit avoir aperçu une bête ressemblant à un ours près de Bushi. Alors, pour ne prendre aucun risque... C'était près du pont en acier. Mon frère m'a dit qu'il l'a vu.
Ne restez pas seul, faites le chemin avec un de vos camarades de classe. Oui, madame. On va faire nos devoirs ensemble, d'accord? Si tu veux, allons-y. Hé, hey, Asuna, dis-moi, on fait le chemin ensemble? Hein? Désolée, merci de me le proposer, mais je dois rentrer vite ce soir. Sinon, ça aurait été avec plaisir, Yu. Pas grave, on rentrera ensemble une prochaine fois. Oui, notre prof a dit la même chose. S'il vous plaît. Je vais vous chercher ça tout de suite, mademoiselle. Asuna, tu veux que je t'aide? Non, merci, ça va aller. Ah. Quel temps magnifique! Pourquoi les oiseaux ne chantent pas? Hein? Ça va aller, tu verras. Désolé de t'avoir fait peur. C'était pas mon but. Je te promets que c'est bientôt fini. Non, non, attends, je... Aie confiance.
Je suis certain d'être venu ici pour te rencontrer. Ça y est, t'es réveillé? Il n'y a plus aucun danger. Tu peux rentrer chez toi en toute sécurité. Attends, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Il vaudrait mieux que tu ne t'aventures plus dans cette montagne. Oh. Mimi! Gens présents au moment de la collision. C'était deux enfants, à peu près grands comme ça. Des enfants? Colonel, venez voir par ici. Mademoiselle Watase, Asuna est absente aujourd'hui. Oh. Savez-vous si elle est malade? Ça m'inquiète un peu. Deuxième chose, j'imagine que vous en avez déjà tous entendu parler, mais l'ours serait réapparu hier sur le pont en bouchon. Oh. J'ai entendu mon père dire que la police en fait parler, moi aussi, mais j'y crois pas du tout. Quoi qu'il en soit, il rôde peut-être encore près de la route ou dans les environs du village. Alors soyez tous très prudents. Oui, madame. Yasaki, je te charge de le dire à Asuna, s'il te plaît. D'accord. Sachez également que le professeur qui sera chargé de me remplacer durant mon congé maternité arrivera demain. Oh. Dame, est-ce qu'elle est jolie? Désolée de te l'apprendre, mais il s'agit d'un homme. Tant pis, j'y vais. C'était le pont, celui tout proche d'ici. C'est terrifiant. Mais il me semblait pourtant que le trafic avait déjà repris. Oui, mais il n'y a qu'un train toutes les deux heures. Tiens, bonjour Asuna. Oh, bonjour. Il fait très beau, tu ne trouves pas? C'est vrai, je dois filer. Oh, monsieur Sato. Bonjour. Connaissez-vous la nouvelle? On aurait aperçu la bête sur le pont au boucher. J'en reviens pas. De jeunes arbres? Serait-ce dû à la Vita à quoi? Ils se cristallisent. Il est possible que l'un d'eux soit venu à la surface. Trouvez-le! Elle est vraiment venue. Je l'avais pourtant prévenue. Tu as raison. En vérité, j'ai espéré de tout mon cœur qu'elle viendrait. Je t'avais pourtant dit de ne plus revenir. Mais... Non ! Mimi ! Petit traître de chat, tu n'as pas le droit de faire ami-ami avec le premier venu. Tu n'es rien de plus qu'un déserteur. Quant à toi, tu es dans ma cachette ici et je ne laisserai... Personne ne me dictait ma conduite dans cet endroit, c'est clair? Je suis tout à fait d'accord. Non. Je suis venu ici parce que j'en avais envie. Je m'appelle Shun, enchanté. Et moi, c'est Asuna. Oh, regarde ton bras. Mais tu saignes? Est-ce que tu t'es fait ça hier? Oh, c'est rien. Mais alors, c'est ma faute. Oh. Tu devrais quand même te faire examiner à l'hôpital en rentrant. Ma mère travaille là-bas, elle est infirmière. T'as tout ce qu'il te faut ici. Oui, mais c'est bien la première fois que ça sert à quelque chose.
Je voulais un endroit rien qu'à moi. J'ai tout apporté petit à petit, ça s'est fait comme ça. Tout simplement. Et puis en haut du rocher, c'est là où je capte le mieux la radio. La radio ? Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Tu veux écouter ? J'utilise ce cristal à la place de la diode. Selon l'heure qu'il est ou le temps qu'il fait, on capte plus ou moins bien le signal. Oh, dis-moi, cette pierre... Je capte. Tiens. C'est une émission musicale. Tu en veux ? Merci, c'est gentil, je commençais à avoir faim. J'ai entendu une mélodie très étrange sur cette radio. Je n'avais jamais entendu une musique pareille avant. C'était comme si tout ce qui se cachait dans un cœur avait été mis en musique. En l'entendant, j'ai ressenti à la fois une grande tristesse et beaucoup de joie. Et j'ai eu l'impression très étrange que je n'étais plus seule. Elle restera tout au fond de moi pour toujours. J'aimerais tellement pouvoir entendre cette chanson encore une fois. T'as aucune question ? Y'a rien que tu veuilles savoir ? Tu sais, t'as le droit d'être curieuse, hein ? Même à propos de cet ours étrange qu'on a vu hier ? Oui. Pour le moment, je vais garder mes questions. J'en ai tellement à te poser qu'une seule journée, ça suffirait pas. Alors je reviendrai demain. Je viens d'un endroit très lointain qu'on appelle Agartha. Agartha ? C'est un pays étranger ? Il y avait une chose que je devais voir et une personne que je devais rencontrer à tout prix. Maintenant que c'est fait, je n'ai aucun regret. Alors tu as exaucé ton vœu ? Tu devrais rentrer chez toi avant qu'il fasse nuit. Oui, j'irai quand les cigales auront arrêté de chanter. Asuna, je vais te donner une bénédiction. Hein ? Ferme les yeux. Asuna, de savoir en vie quelque part sur Terre, c'est tout ce que je demande, ça me suffit. Non, désolée, je dois y aller, à demain. C'est Asuna qui a entendu ma dernière mélodie. Elle t'a appelé Mimi, c'est ça ? Rends-moi service, Mimi. Guide Asuna jusqu'à un lieu meilleur que celui-ci. J'ai tellement peur, tu sais, mais je ressens aussi un immense bonheur. C'est comme si je pouvais effleurer les étoiles du bout des doigts. J'y suis presque. Elles sont si proches.
suis rentrée, Asuna. Bonjour, maman. La garde s'est bien passée? Oui, oui. Tiens, tu prépares deux repas? Oui. Pour un ami. Ah oui? Maman, tu vas prendre ton petit déjeuner? Alors, je vais déjeuner avec toi, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà mangé ce matin? Je peux en reprendre encore une assiette, et puis en plus, j'ai encore un peu faim. Non, il faut que tu ailles à l'école, ou tu vas finir par être en retard. Asuna, et si on mangeait toutes les deux au restaurant ce soir? Cette nuit, je ne suis pas de garde. Ah, vraiment? Alors je reviendrai à la maison avant 6 heures. À 6 heures? Mais on est samedi, où est-ce que tu vas? Voir un ami. Je file à tout à l'heure. Hé, hey, où est ta cravate? J'ai dû la perdre, j'en rachèterai une à l'école. Bonne journée. Ma fille a un ami. Oui? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui, effectivement. Oui. Oui. En tout cas, je lui poserai la question demain. Je lui avais pourtant dit que je viendrais aujourd'hui. Peut-être que c'est à cause de la pluie. Je suis rentrée. Maman, tu peux me passer une serviette, s'il te plaît? Oh, mais tu es toute trempée. Tu as oublié ton parapluie? Attends, je peux le faire toute seule. Maman? Un jeune garçon a été retrouvé avec ta cravate comme bandage autour du bras. Il se trouvait au bord de la rivière Shimonofuchi. Asuna, ce garçon est mort. Je suis désolée. Je suis sûre que c'est une erreur. Après tout, il n'a pas pu tomber. Asuna. Non, je t'assure, c'est pas lui. T'inquiète pas, ça va. Vu qu'il pleut, on n'a qu'à reporter notre dîner au restaurant. Je vais faire mes devoirs dans ma chambre. Asuna. Je te dis que ça va, maman. Jamais. Ah, maman. Les choses sont ainsi. Même si on pouvait les changer, on ne pourrait pas. Ton père disait que la mort fait partie de la vie, mais pourtant... Pourtant, je... C'est ainsi que sa femme bien-aimée mourut. Rongé par le chagrin, Izanagi décida de se rendre au pays de Yomi, dans les profondeurs de la terre. Il souhaitait plus que tout au monde ramener sa femme, Izanami, à la vie. Lorsque les deux époux se retrouvèrent dans les profondeurs de la terre, Izanami dit à son mari « Je suis déjà devenue une habitante du pays des morts. Cependant, si le dieu de Yomi me le permet, il me sera alors possible de revenir auprès de toi. » Mais il y a une condition à cela.
lorsque je m'entretiendrai avec le dieu de Yomi, tu ne devras me regarder sous aucun prétexte. Mais Izanagi rompit sa promesse. Il fut contraint de franchir les portes de Yomi. Et jamais il ne put retourner aux côtés de son épouse Izanagi. Voici donc les premiers versets du recueil des mythes Kojiki. On trouve partout dans le monde des mythes et des légendes similaires relatant l'histoire de gens qui descendent sous terre afin de ramener à la vie un être aimé. Le pays de Yomi, le royaume des morts, Hadès, Shambhala, Agartha... Ils portent des noms différents, mais ils font tous référence à un lieu caché dans les profondeurs de la terre. Autrefois, les gens croyaient que le secret de la mort se cachait sous terre. Chers élèves, il est l'heure de rentrer chez vous. Vous avez eu un souci avec Asuna ? Non, elle semblait très intéressée par la leçon et je me demandais simplement quel genre d'élève elle était. Eh bien, c'est une enfant très sage, une gentille jeune fille. Mais son père est mort quand elle était petite. Et sa mère, qui est infirmière, semble très occupée. Je me demande si elle ne se donne pas trop de mal pour être une enfant parfaite. Ah oui, vous croyez ? Et l'autre jour, on a retrouvé le corps de ce jeune inconnu. Vous savez ? Asuna, attends, tu rentres là ? Non, Yu. Il faut absolument que j'aille voir le professeur Morisaki pour lui poser une question. Il me met un peu mal à l'aise, ce prof. Le cours d'aujourd'hui était légèrement effrayant, je trouve. Effrayant ? C'est juste une rumeur. Mais il paraît que sa femme est morte. Hein ? Merci de votre aide. Alors ? Il était déjà rentré chez lui. Au revoir, à demain. C'est toi, Asuna ? Veuillez m'excuser, mais j'avais quelque chose à vous demander, si vous avez quelques minutes. Tu veux bien attendre un instant, d'accord ? Est-ce que tu veux un café ? Oui, avec un nuage de lait, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Morisaki. Je suis désolée de vous déranger chez vous comme ça. J'ai demandé votre adresse à madame Ikeda. Il n'y a personne d'autre que moi à déranger ici. Je vis seule, comme tu le vois. Je viens à peine d'emménager dans cette maison et je n'ai guère que des livres à y mettre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, c'est juste que, durant le cours aujourd'hui... Oui, j'ai remarqué. Tu écoutais avec beaucoup d'attention. Y aurait-il quelqu'un que tu veuilles ressusciter ? Hein ? C'est donc toi qui as rencontré le jeune garçon qui venait d'Agartha. Regarde ce document. Les appelons Quetzalcoatl. Ce sont les gardiens des portes qui conduisent à Agartha. Et que penses-tu de ça ? Regarde bien les images. Celui-là ressemble à la photo précédente. Il s'agit de la statue d'un dieu sumérien vieille de 3000 ans. Jadis, il y avait partout sur Terre des dieux comme celui-ci. Ils étaient là pour guider les hommes dans le droit chemin. C'étaient les Quetzalcoatl. Un jour, l'humanité finit par grandir et la présence des dieux sur Terre devint inutile. Les Quetzalcoatl comprirent que leur mission était achevée. Ils partirent vivre sous Terre et devinrent gardiens. Et quelques tribus allèrent avec eux. Des tribus ? Un petit nombre d'humains préféra descendre sous Terre avec les Quetzalcoatl. Ils bâtirent un monde souterrain, Agartha. Dans cet univers, à l'écart de tout, ils protégèrent les connaissances infinies des dieux et construisirent un domaine où tous les vœux pouvaient être exaucés. Y compris ressusciter les morts. Vous voulez dire qu'Agartha existe vraiment ? Qui sait ? Peut-être qu'il s'agit d'une simple légende ? Il existe différentes théories, et je n'ai jamais fait que quelques recherches sur ce très vaste sujet. Mais... Rentre chez toi, il va bientôt faire nuit. Merci de votre aide, professeur. Je ne suis pas sûr de t'avoir servi à grand-chose. Si. Je suis certaine.
Kagarta existe vraiment, monsieur. Le soleil est presque couché. Qui es-tu? Bien sûr. Il est entré en contact avec une habitante de la surface. Shun? Il n'est plus là. Oublie tout ce qui s'est passé. Oh. Ce sont les archanges. Je dois m'en aller. Oh. Un jeune d'Agartha. Donne-moi le clavis. Qui sont ces gens? Ne les touchez pas. Va les laisser nous guider. Je suis venu à la surface pour le récupérer. Comme ça, ils ne pourront pas entrer. Attends le matin et rentre chez toi. La surface? Alors Agartha est vraiment sous terre? T'es aussi au courant de ça? Shun, t'as perdu la mémoire ou quoi? Écoute. Là-dedans! Dépêche-toi, ils vont nous rattraper. Shun, quelle est cette grotte? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas Shun. Et d'ailleurs, rien ne m'oblige à te sauver la vie. Alors quoi? Explique-moi donc. Si tu n'es pas Shun, qui es-tu? Silence. Reste sagement ici. Quoi? Il y a un gardien. Très longtemps, le gardien a été les guides de l'humanité. Mais à cause de la pollution de l'atmosphère à la surface, ils ont pour la plupart perdu l'esprit. Si seulement ils se souvenaient. Je ne veux pas le tuer. Je vais me débrouiller pour l'assommer.
Quetzalcoatl ici. C'est que l'entrée est toute proche. Tu vas bien? Partons par ici. Voici un spécimen de Pachycetus. Ils sont censés avoir disparu depuis des millénaires. C'est quoi? Une baleine vieille de 50 millions d'années. Tu es là! Mais nous devons récupérer toutes les preuves. Si on ramène le clavis, personne ne se plaindra. Faites-le. Arrêtez! Fillette, viens ici avec le clavis. Sinon, je tuerai ton ami. N'y va pas. Je pourrais aussi choisir de vous tuer tous les deux. Shun, je... T'inquiète, je viendrai vite te sauver. Ne t'arrête pas, viens ici. Surveillez le garçon. Vous croyez que c'est la porte? Sans doute. Au pôle sud, ni les explosifs, ni les foreuses n'ont fonctionné. Allez, maintenant touche cette lumière avec le clavis. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-le! La mer interstitielle, enfin à portée de main. Bon travail, messieurs. Mon colonel, que faites-vous? Le chemin se sépare ici, sans rancune, messieurs. Passez le bonjour à tous ces vieillards en Europe. Venez-vous chercher ici. Monsieur Morisaki ? Maintenant que je suis arrivé ici, je n'ai plus de raison de vous traiter en ennemi. Je souhaite simplement me rendre à Agartha. Agartha tombe en ruine. Tu n'y trouveras rien de ce que tu espères, Archange. Je ne cherche ni le secret de l'immortalité, ni la connaissance des dieux. Je veux juste ramener ma femme à la vie. Fais comme bon te semble. La mission était uniquement de récupérer le clavis. Comment t'appelles-tu? Asuna. Moi je suis Shin. Je suis le petit frère de Shun. Shin? Alors Shun est... Mon frère est mort. Il savait qu'il ne pourrait pas survivre longtemps à la surface. Mais il a choisi de violer nos règles pour partir. À mon tour de m'en aller. Tu pourras ressortir même si tu n'as pas le clavis. Je suis désolé que tu te sois trouvé mêlé à ça, Asuna. Shin. Je t'ai mis dans une situation affreuse, n'est-ce pas? Monsieur Morisaki, pourquoi avoir fait ça? Sais-tu ce que sont les archanges dont parlait Shin? Non. La seule organisation qui connaisse l'existence d'Agartha. Elle a pour but de s'approprier le savoir des anciens et de guider l'humanité sur le droit chemin. J'en fais partie et durant 10 ans, j'ai cherché l'entrée qui nous mènerait enfin à Agartha. Mais les gens qui vous accompagnaient... En réalité, les archanges ne sont qu'une bande d'illuminés sans une once de cervelle. Je ne m'intéresse ni aux dieux ni aux origines du monde. Tout ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est ressusciter ma femme. Donc je vais me rendre à Agartha et faire en sorte de la ramener à la vie. Excuse-moi de t'avoir mise en danger. Il s'agit bien de Vita, quoi. Attendez! Monsieur Morisaki, je veux venir avec vous. Et pourquoi ça? Parce que tu veux ressusciter ce garçon que tu as rencontré? Eh bien... Je sais pas en fait. Dites oui! Il faut que tu saches que ce voyage risque d'être périlleux. J'ignore quand nous pourrons rentrer. D'accord. Alors viens.
liquide ancestral nommé Vita, quoi. On n'y subit pas la poussée d'Archimède. Remplis-en tes poumons et tu pourras respirer. Agartha est sous la surface du lac. Monsieur Maurice Agri, attendez! C'est juré, si tu bois l'eau, tu pourras respirer. Le but, c'est de retrouver un être cher. Décide-toi, Asuna! J'espère que la vie de notre petite fille sera bénie et qu'elle ne souffrira jamais de rien. Tout ira bien. Sa naissance et la vie fantastique qui va s'offrir à elle sont un bonheur suffisant. C'est vrai. Il faut que je me dépêche de naître. Des étoiles. Hein? Mimi. Tu es réveillée? Le petit chat est sorti de ton sac à dos tout à l'heure. Tu l'avais emmené avec toi? Non. Oh, comment tu t'es retrouvée ici? Tu n'auras peut-être pas le luxe de l'emmener avec toi jusqu'au bout. Oh, l'emmener? Hein? Professeur, où sommes-nous? Il faut que nous prenions les escaliers là-bas, pour continuer. Il y a quelque chose. Ouais. C'est sans doute un gardien, un Quetzalcoatl. Il nous regarde. Pourtant, on va devoir passer devant lui. Mimi! Mimi, viens ici! Asuna! Asuna, allons-y. Ce chat pourrait nous être plus utile que je croyais. Voilà Agartha. Professeur, regardez! Shakuna Vimana, l'arche où Dieu lui-même se trouverait. Comme dans les livres. Dieu lui-même. Serveur, un clavis? Un fragment? Que fais-tu avec ça? C'est un cristal pour ma radio. Et c'est aussi un souvenir de mon père. Un souvenir? En latin, le mot clavis veut dire clé. Celui que tu possèdes pourra nous être d'une grande aide.
Garde-le précieusement. D'accord. Allons dans la même direction que l'arche. On finira bien par trouver ce que nous cherchons en allant dans ce sens-là. Je vois les vestiges d'un village là-bas. Mais on ne trouve toujours que des ruines. Il reste peut-être quelque chose cette fois. Je vais aller vérifier. Viens, Mimi. Là-bas, à Finisterra, aux portes de la vie et de la mort. Méfie-toi, certaines patates sont toxiques. Et d'ailleurs... J'y rincerai pour enlever les toxines. Nettoie aussi tes habits au passage. Les vôtres aussi sont très sales. Je les nettoierai après. Changez-vous, s'il vous plaît. On a des patates. Délicieux. Heureusement qu'il restait aussi un peu de sel dans la cuisine d'une de ces maisons en ruine. Tu me surprends. Est-ce que ce périple t'amuse ? Quand j'écoutais la radio à la maison, je me suis toujours dit qu'il y avait un pays lointain et merveilleux où je devais aller. Je me disais, c'est pas ici que je veux être. Il y a un endroit meilleur que je n'ai jamais vu. Puis j'ai rencontré un mystérieux garçon, je l'ai poursuivi et je me suis retrouvée ici avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis à Agartha, j'ai le cœur qui bat très fort dans ma poitrine. C'est pour ça que je suis certaine qu'on trouvera quelque chose. Les nuits où on ne voit pas les étoiles dans le ciel me mettent mal à l'aise. Rien de pire pour rappeler à l'homme. Il est une créature solitaire. Shin Kamahan Praeses. Pour avoir retrouvé le clavis, notre peuple salue ton courage. Néanmoins, tu as commis une grave erreur. Un homme et une fille sont venus de la surface avec un clavis et se dirigent vers la porte de la vie et de la mort. Mais j'ai ramené le clavis comme vous le vouliez. Il possède un autre fragment de clavis. Oh. Tu as laissé deux habitants de la surface pénétrer Agartha sans rien faire pour les en empêcher. Voilà ta plus grande erreur. La mission que vous m'aviez confiée se limitait à... Ne cherche pas d'excuses. Doit-on tous parler pour que tu comprennes? Notre prospérité de jadis n'est plus et notre peuple vit désormais les longues journées du crépuscule. Notre souhait ultime est désormais de ne faire qu'un avec Astral, la destination finale de la vie. Mais chaque fois qu'une porte est ouverte entre les mondes et que des habitants de la surface foulent le sol d'Agartha, notre paix est troublée.
jamais nous ne pourrons oublier toutes les souffrances que notre peuple a endurées. Quelle tristesse de te savoir si ignorant. La cérémonie de passage à l'âge adulte approche et tes yeux ne sont pas encore ouverts au monde. Tu es incapable de voir au travers des yeux d'un Quetzalcoatl. Tu n'arrives pas à sentir le souffle délicat que dégagent tous les Clavis. Il est vrai qu'en cela, ton frère était doué d'un don inné, mais son karma malade décuplait son désir de voir la surface de ses propres yeux. Shin Kanaan Preises, je te charge donc d'une nouvelle mission. Shin! Siri, tu dois pas quitter ton poste. Si je me dépêche, ça devrait aller. Siri, à propos de Shun. Je sais. C'est tragique. Non. Même si ça a précipité son déclin, je suis sûre que Shun a pu voir ce qu'il voulait là-haut. Shin, tu as reçu une autre mission, n'est-ce pas? Oui, je dois trouver les habitants de la surface et récupérer le Clavis. Mais il faudra... On m'a dit de tout faire pour ne pas les tuer. Mais si ça s'avère nécessaire... C'est cruel de t'envoyer seul sur une mission si dangereuse. Les habitants du village n'ont pas hésité à nous élever à la mort de nos parents. Il est temps que je m'acquitte de cette dette. Et si on faisait de la soupe? Tiens, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mon chat ne vous agace plus maintenant? Non. Et puis en cas de besoin, on pourra toujours le manger. Hein? Je plaisante. C'est étonnant, professeur. Vous agissez un peu... comme un père. Hein? Dis pas de bêtises. C'est vraiment très rare que tu aies de la fièvre comme ça, Morisaki. En général, c'est moi qui suis toujours malade. Désolé. Quoi qu'il en soit, je veux que tu me promettes une chose. Quoi? Lorsque je ne serai plus de ce monde, jure-moi que tu continueras à vivre pleinement. Lisa, ma mission ici se termine bientôt. Quand je rentrerai, on retournera tous les deux dans mon pays. Là-bas, je suis certain que ta maladie pourra... Ce n'est pas la question. Mon ange, tout le monde s'éteint un jour. La seule différence, c'est que pour certains, le chemin est plus court. Et moi, je m'en vais juste un peu plus tôt que toi. Je sais que ça te rend triste, mais on ne peut rien y changer. Personne n'échappe à son destin. Je l'ai accepté. Lisa, ne dis pas des choses pareilles. Tu me quitteras jamais et je ne t'abandonnerai pas non plus.
jamais m'habituer à ton absence. Jamais. Lisa, tu es revenue à mes côtés. Monsieur Morisaki, vous n'aviez pas l'air bien du tout. Asuna, est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Un arc-en-ciel. Oh. En direction du pays des Yi. Dépêchons-nous. Oh, je capte. Que j'avais en écoutant la radio, en réalité, c'était Agartha. Partons. Asuna, fais-moi découvrir ce qu'Adieu veut dire. Ne pleure pas. Voilà, c'est fini. Pas. Ah, le Gladys, je le sens. Sortir de l'ombre.
suffit, accroche-toi. Donne-moi la main, Asuna. Cette fois, tu t'es pas trompé. C'est un repère de Yi. Viens vite, il dévore les habitants de la surface à cause de leur sang soi-disant impur. Alors fuis. Shin, comment as-tu su que j'étais ici? Après qu'on se soit quitté, je t'ai cherché partout dans un garçon. T'aurais pu t'abstenir, franchement. Je voulais juste te revoir. Arrête de parler, cours. On nous poursuit, là. Je fais ce que je peux. Shin, Shin, ils sont là. Asuna, saute. Est-ce que t'as encore ton fragment de clavis avec toi? Oui. Va falloir que tu me le donnes. Cheval. Il t'a demandé lui donner le clavis. Nous n'étions pas les bienvenus ici, mais c'est encore plus clair maintenant que ces créatures ont essayé de vous capturer. Que va-t-on faire de la petite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là-bas, c'est ça? En aval? Shin! Il transpire beaucoup. Asuna? Shin! Toi aussi, tu vas bien? Heureusement que tu t'es réveillé. Oui, c'est vrai. On a été emportés. Je vais te chercher de l'eau. Encore toi? Tu es un archange! T'as forcément un clavis en ta possession. Laisse-le ici et quitte Agartha. Pourquoi?
Je me moque du pourquoi, c'est une mission qu'on m'a confiée. Donne-moi le Clavis. Allons dans la direction que nous a indiqué la petite fille. On y trouvera peut-être un village. Je vais emmener Shin avec nous. Fais ce que tu veux. Je vois des gens. Enfin, on arrive dans un village habité. Avançons avec prudence. Oh. Oh. Chérie, regarde. Impossible. Oh. Il viendrait de la surface? Vraiment? C'est un mauvais présage. Je suis sûre que tout ira bien. Oh. Oh. Reculez, reculez! La fillette impure qui a été kidnappée avant-hier. Elle est devenue muette après le décès de sa mère. Halte là! La fille de Dina, elle a beaucoup grandi. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir ramené la fillette jusqu'au village. Mais vous êtes des gens de la surface. Le village d'Amoro ne peut accueillir des gens comme vous deux. Vous devez reprendre votre chemin immédiatement. S'il vous plaît, pourriez-vous au moins nous envoyer un médecin pour ce garçon? Regarde ses habits. Il est blessé, il vient de Kaldan. Il a beaucoup de fièvre. Qu'est-ce qu'un agartien fait avec des gens de la surface? Impossible. Partez. Attendez. Mana, te voilà enfin de retour. Pardonnez la grossièreté de tous ces ingrats. Ils devraient plutôt vous remercier d'avoir sauvé ma petite fille. Vieux sage, ce ne sera que pour une nuit. Je refuse de faire un tel affront à ceux qui ont sauvé Mana. Par ici. Si nous passions par le village, vous vous feriez trop remarquer par les habitants. Rassurez-vous, sa fièvre va bientôt tomber. Mais il faudra attendre un peu avant qu'il soit à nouveau capable de bouger. Il ne va pas mourir. Ne vous inquiétez pas, jeune fille. Je suis tellement rassurée. Et tout ça grâce à vous. Merci. Cette blessure a été faite par un Yi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est une tribu maudite qui ne supporte ni la lumière ni l'eau. Mais ils font partie des éléments qui maintiennent l'équilibre de notre monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela qu'ils réagissent si mal lorsque les choses sont mélangées. Mélangées? Vous voulez dire que la fille... Oui, le père de Mana est un habitant de la surface. Ah. Ce genre de situation est extrêmement rare, sachez-le. Dégagez de notre village! Je suis désolé, mademoiselle. Mais pour mon peuple, la présence d'habitants de la surface dans notre village n'est jamais de bon augure. Asuna? Oui. Autrefois, les empereurs et les rois de la surface n'ont eu de cesse de venir piller sans le moindre scrupule les richesses et les connaissances d'Agartha. Pour tous ces hommes, c'était en effet le seul moyen d'imposer leur domination sur les territoires du monde de la surface. Agartha a payé le prix fort pour cette aide prise de force et fut ravagée par d'innombrables guerres. À cette époque, nos cités étaient plus magnifiques que n'importe quel endroit sur Terre. Mais toutes ces beautés ont été détruites et le nombre de naissances a tellement chuté que seuls quelques villages ont subsisté à l'après-guerre. Nous avons donc décidé de fermer les accès à notre monde. Désormais, nos portes sont verrouillées grâce au Clavis, de sorte qu'aucun humain ne puisse remettre les pieds à Agartha. Je vais vous conduire à la bibliothèque. Mademoiselle, voulez-vous bien m'accompagner en cuisine pour que nous préparions le dîner de ce soir? Oui. Par ici.
Anna. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur? Pouvez-vous couper ce radis blanc, s'il vous plaît? D'accord. C'est celui-là? Tout juste. Un radis blanc. Oh, oh non, Mimi, arrête! C'est la première fois que je vois un résident s'entendre si bien avec un habitant de la surface. Un résident? Vous parlez de mon chat? Je parle des animaux dans lesquels résident les enfants de Dieu. Ils grandissent avec les hommes et une fois leur mission accomplie, ils rejoignent les Quetzalcoatl, s'unissent à eux et vivent pour l'éternité sous cette nouvelle forme. Un enfant de Dieu? T'as entendu ça, Mimi? Tu es un enfant de Dieu, petit chanceux. Tu es fier? Bien. Maintenant, pouvez-vous donner un bain à Mana en attendant que tout soit cuit? Oh. Un bain? Oh. Qu'est-ce que ça fait du bien, un bain? Reviens là! Mana, ça suffit! Oh. Professeur, que pensez-vous de cette tenue? C'est le vieux sage qui m'a prêté ces vêtements. Ça ne te va pas du tout. Arrête de pleurer et mange. Mais c'est tellement bon. Vieux sage, est-ce que vous pourriez répondre à la question que je vous ai posée un peu plus tôt dans la journée? Ramener les morts à la vie est une chose interdite à Agartha. S'il est interdit de ressusciter les morts, ça veut donc dire que c'est possible. La vie et la mort ne sont que des étapes d'un continuel voyage. Ceux qui veulent interrompre ce voyage ne sont pas tolérés à Agartha. Tolérés, vous dites? Pourquoi? Et à qui faut-il donc que je demande la permission? La surface aussi a de nombreuses légendes, mettant en garde contre de telles actions. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir où et comment je peux retrouver un être cher parti trop tôt. Rien de plus. Il est juste de faire le deuil de ceux qui nous ont quittés, mais il est mauvais de se complaire dans la pitié. Vous n'auriez jamais dû mêler une aussi jeune fille à cette quête absurde pour venir à bout de vos chimères personnelles. Asuna a souhaité m'accompagner de son plein gré. J'ai... Vous passez votre vie le nez en l'air à réfléchir. C'est tout ce que vous avez fait depuis 2000 ans. Cloîtré dans votre cave. Mademoiselle, pourriez-vous aller dans la chambre prendre des nouvelles de votre jeune ami? Vas-y, Asuna. D'accord. Drôle de tenue, c'est très... Ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis un truc pareil? Pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu m'as sauvé, Asuna? Parce que toi aussi tu m'as sauvé, Shin. C'est normal que j'en fasse autant. J'ai simplement dû réparer les erreurs qu'avait commis mon frère. Les erreurs de Shun? Shin! Pour l'instant, tu dois guérir. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez partir. J'aurais dû... Laissez Lei te tuer et récupérer ton clavis. Oui, c'est ce que j'aurais dû faire. Et j'aurais dû tuer ces archanges à la surface quand j'en ai eu l'occasion. Sors de cette chambre. Mais Shin! Sors d'ici! Demain matin, nous partirons de bonne heure. Alors va vite te coucher, Asuna. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je ne peux pas héberger chez moi des habitants de la surface. Du moins, je ne peux pas le faire trop longtemps. Mais en tout cas, pour cette nuit, vous pourrez vous reposer dans un bon lit avec ma petite Mana. Mimi. Mon frère. Et voilà tout ce petit monde. Embarqué dans un voyage désespéré pour obtenir le salut d'une âme partie depuis longtemps. Si seulement quelqu'un leur avait dit de ne pas y aller. Passer ces quelques jours en votre compagnie, c'était un peu comme retrouver ma fille. Au revoir, vieux sage. Oh, Mana, porte-toi bien. La barque va vous faire traverser le lac durant deux jours et deux nuits. Une fois sur l'autre rive, vous serez tout proche du lieu que vous cherchez. Je vous remercie.
remercier pour tout. Asuna? Mimi, viens! Allez, on doit partir. Mimi! Ton petit chat a peut-être simplement rempli sa mission auprès de toi, Asuna. Personne ne peut décider de ce que doivent faire les résidents. Ils sont libres. Oh non! On devait rester ensemble pour toujours. Mimi! Mimi! Asuna, il va falloir que tu l'acceptes. Vieux sage, merci à vous. Mimi! Oh! Professeur, attendez, je dois... Mimi! Oh! Mana, occupe-toi de Mimi! Mimi, écoute bien ce que te dit Mana! Adieu, alors! Professeur, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que vous nous aviez racontée en classe, le mythe d'Izanagi et d'Izanami? Oui. J'étais curieuse de connaître la suite, alors je l'ai lue à la bibliothèque. Izanagi a échoué dans sa mission pour secourir sa femme, parce que lorsqu'il s'est retourné, il a vu le beau visage d'Izanami en décomposition. Alors dites-moi, est-il vraiment juste de ramener les morts à la vie? Notre voyage touche à sa fin. Tu dois décider seul de ce que tu cherches à la porte de la vie et de la mort, Asuna. Cette lumière... Des gens ! Non. Des Yi ! Tout va bien, ils ne devraient pas pouvoir venir jusqu'ici. Il a rempli son rôle dans ce monde, ma chérie. Il est temps pour lui de rejoindre le suivant. Pleure tant que tu en ressentiras le besoin. Verse aussi quelques larmes pour le départ d'Asuna. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas voir, je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Un Quetzalcoatl, comme il est âgé. Ainsi que la mort devient partie intégrante de quelque chose de plus grand. Je ne pense pas qu'Asuna voit les choses comme ça. Elle aussi a déjà perdu un être qui lui était cher. Vieux sage, peut-être que le monde d'Agartha a trop conscience du caractère insignifiant et éphémère de la vie. Et voilà peut-être la raison pour laquelle il tombe en ruine. Ton immaturité face à ces questions ressemble beaucoup à celle de cet habitant de la surface. Ah! Armée. Ils vont sûrement les arrêter et même les tuer si besoin. Leur mission est certainement la même que la tienne. Que comptes-tu faire? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rester là sans rien faire. Yeah! Maintenant, tout le monde est parti.
C'est derrière cette crête. Les I vont pas tarder, dépêchons-nous. Hein? Oh. Asuna! Attendez, vous n'avez rien entendu? Les soldats d'Amuro! Cours! Cache-toi, je vais vite en finir. Professeur! Ils sont là pour nous tuer, Asuna! Shin! Ne te mêle pas de ça! Ne tuez personne! Agartha haïrait encore plus votre peuple. Tu es le garçon de Canaan, c'est ça? Pourquoi protèges-tu ces gens de la surface? Ces personnes ont sauvé une fillette de votre village. Vous leur êtes redevables. Si nous laissons des habitants de la surface en liberté ici, ils causeront à nouveau notre perte à tous. Nous devons donc couper le mal à la racine. Écarte-toi! Je m'acquitte de ma dette. Partez! Shin! Redoutable. Je peux m'en charger? Nous sommes au bout de ce monde. Finisterra. La porte de la vie et de la mort est en bas de cette falaise. Dépêchons-nous. Que le sacrifice de Shin ne soit pas vain. Laisse ici ce qui est trop lourd. On va descendre la falaise. C'est de la folie. C'est impossible. Il n'y a pas un autre chemin. On n'a pas le temps. Les I vont attaquer dès le coucher du soleil. Allons-y. Professeur. Écoute-moi bien, d'accord? Tu as franchi la mer interstitielle. Tu as déjà surmonté tant d'épreuves. Je sais que tu pourras descendre cette falaise. Sinon, pourquoi avoir fait tout ce chemin? Oui, mais là, j'y arriverai jamais! J'abandonne! Je peux pas! Les armes, petit, reconnais ta défaite. Tu as perdu ta place à Agartha. Pour être honnête, j'en ai jamais eu. Va bien, Asuna, j'ai compris. Je continuerai seul cette aventure. Donne-moi le clavis et prends ceci. Ravi.
Traverse à nouveau le lac et retourne chez le vieux sage. La nuit, fais très attention au Yi et reste sur l'eau. C'est le seul moyen d'être en sécurité. Asuna, je veux que tu vives très heureuse, très longtemps et loin d'Agartha. Et même si je te parais égoïste, j'aimerais que tu te souviennes toujours de ce que je viens de te dire. A disparu au fond de Finisterra. Nous ne pouvons les poursuivre plus loin. Mais il est normalement impossible pour les gens de la surface d'arriver vivants en bas de cette falaise. Jeune homme, ni Agartha ni la surface ne pourront désormais t'offrir un endroit où te reposer et vivre ta vie simplement. Tu viens de te condamner toi-même à une vie d'errance. Et tu regretteras bien vite ce choix. Désolé de t'avoir forcé à galoper pour venir jusqu'à moi. T'arrives à te lever? Mais où est-ce que je vais bien pouvoir aller maintenant? Asuna, je vais te donner une bénédiction. Maman, c'est quoi une bénédiction? Une bénédiction? Quand on dit je t'offre une bénédiction. Quelqu'un te l'a proposé, ma chérie? Oui. Ça veut dire donner un bonheur intense, comme quand tu es née. Tu as été la plus grande des bénédictions pour moi. Asuna, dis-moi, on rentre ensemble? Asuna... Je suis désolé que tu te sois trouvé mêlé à ça, Asuna.
pourquoi tu m'as sauvé. Rien de pire pour rappeler à l'homme qu'il est une créature solitaire. Je m'acquitte de ma dette. Asuna, dis-moi. Dis-moi, pourquoi es-tu venu à Agartha? Lisa, je te reverrai bientôt. Bientôt. L'aube vient de se lever. Je suis content que tu n'aies rien, Asuna. Je voulais te remercier de m'avoir sauvé, Shin. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas pris le temps de le faire convenablement. Je t'en prie. Mais mon corps a réagi instinctivement. Avant même que je me dise... Shin, il faut absolument que tu ailles lui porter secours. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tes yeux n'ont pas tout à fait la même couleur que ceux de Shun. Exact. Et il était aussi plus grand que moi, il avait les cheveux un peu plus clairs. T'es un vrai gamin capricieux, en fait. Toi aussi, t'es qu'une gamine. Donc c'est vrai, tu n'es vraiment pas Shun. Mais tu vas arrêter avec ça! Oh! Mais... Ne pleure pas. Mon frère... Shakuna Vimana, il va vers les portes de la vie et de la mort. C'est là où se trouve le professeur. Ah bon, tu crois que l'archange est arrivé là-bas? Vimana est l'arche qui porte la vie en elle.
Finisterra. Je pensais m'être bien plus éloignée que ça de cette falaise. J'ai sûrement dû tourner en rond pendant toute la nuit. Hein ? Un Quetzalcoatl. Asuna, ce Quetzalcoatl est sûrement... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est sûrement venu mourir ici. De Quetzalcoatl. Est-ce que c'est la porte de la vie et de la mort? Cette mélodie. Les Quetzalcoatl font tout ce cérémonial avant de mourir. Ils laissent une mélodie contenant absolument tous leurs souvenirs. La mélodie se diffuse partout en changeant de forme à l'infini. Elle pénètre les vibrations de l'air. Et elle se mêle à nos corps sans qu'on s'en aperçoive. De cette façon, les souvenirs des Quetzalcoatl survivent pour l'éternité quelque part dans le monde. Je la connais. J'ai déjà entendu cet air auparavant. Et il restera toujours gravé en moi. Asuna ! Shin, il faut que j'aille rejoindre Monsieur Morisaki. Il est tout seul et peut-être en danger. Mais et la falaise ? Fais-moi confiance, il va nous y emmener. Shakuna Vimana. Voici donc le dieu qui règne sur Agartha. Je dois formuler mon souhait. Durant ces 10 dernières années, je n'ai pas oublié ton absence un seul instant. Autrefois, j'ai essayé de surmonter le vide laissé derrière toi, mais en vain, je ne trouve aucun sens à un monde et une vie où tu n'es plus à mes côtés. Lisa, reviens auprès de moi.
Alors c'est ça? Des étoiles? Shin, regarde! Professeur... J'arrive à trouver une enveloppe corporelle pour y loger son âme. Professeur! Asuna, il ne fallait pas. Je voulais surtout pas que tu viennes me rejoindre ici. L'âme d'un défunt est dans le corps d'Asuna. Archange, c'est toi qui as fait ça. Asuna, ne renonce pas, bats-toi, sinon tu resteras là-bas. Asuna, Asuna. J'ai très froid. Est-ce que tu es là, chérie? Chérie? Lisa. Prendre la fille ne vous suffisait pas! Mon chéri... Asuna... Mon chéri, est-ce que tu es là? Asuna, ressaisis-toi! Archange, rends-moi Asuna! Mais ton œil, il... Il est trop tard, j'ai déjà payé pour ce que j'ai fait. Lisa... Je suis juste là. Mon chéri, qu'y a-t-il donc? On dirait bien que tu as pris quelques rides. Pardon, Lisa. Je le crois pas. Asuna! Asuna! Reviens! Ce garçon... Je crois que je le connais. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur... Lisa, ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Maintenant, arrête! Lisa n'a rien fait de mal. Les vivants comptent plus que les morts! Shin? Alors, tu t'en vas, Asuna? Adieu, Shun. Lisa! Lisa! Pardonne-moi, mon chéri. Je n'ai pas pu t'éviter de souffrir. Lisa, non! T'en vas pas, Lisa. Je t'aime. Je t'aime. Trouve le bonheur.
tue-moi. Pitié, tue-moi. Quand mon frère est mort, j'ai entendu une voix qui me disait de l'accepter. Tu as forcément dû l'entendre aussi. Parfois, c'est une véritable malédiction de continuer à vivre. Moi, je crois que c'est également une bénédiction. Hello, goodbye and hello. Kimi ni atte, ima kimi to sayonara. Hello, goodbye and hello. Soshite kimi no inai, kono sekai ni hello. Asuna, tu veux bien te dépêcher, sinon tu vas être en retard. C'est ta cérémonie de fin d'année quand même. Oui, oui. Voilà, maman. Je suis prête, alors je file. Kimi to sa.